bien savoir, le musée national de Lubumbashi, il contient les éléments qui est attrait à notre pays, soit l'Afrique en général. Non, quand on parle de musée national de Lubumbashi, au musée national de Lubumbashi, ou bien les œuvres d'art qui sont à l'institut des musées, sont les œuvres d'art du pays, toutes les ethnies du pays. Nous n'avons pas les œuvres africaines. Monsieur, monsieur, pardon, une question. Oui, attends. Oui, vous avez essayé, au cours de votre narration, vous avez essayé de nous dire que cette chose est naturelle, elle n'est pas archéologique, donc c'est naturel. Alors, vous avez aussi dit que c'est un blanc, un individu qui a construit ces bâtiments. Alors, à construire ça, ils n'ont pas tiré les caméras pour savoir ce qu'il y a dedans? La malachite. Oui, oui. Mais la malachite, on l'exploite, c'est un minerai. On l'exploite. Hein? Oui. C'est à partir de la malachite qu'on fabrique du cuivre. Ok, on transforme ça. Oui. Deuxième question. Vous nous aviez dit que vous ne dépendez pas de la province. Oui. Donc vous dépendez du niveau national. Oui. Donc vous comptez de la présidence. Oui. Alors je veux savoir quel ministère qui vous dirige. Oui. En plus, quand le chef, si c'est un chef de l'État qui nomme les responsables des niveaux des lycées nationaux. Oui. Les DG. Oui. Propose, oui. Les ministres, non. Les ministres, non. Quel ministère? Culture et art. Ok, merci. En plus, c'est lui qui. Qu'est-ce que vous? C'est lui qui dirige un musée national. On peut l'appeler comment? C'est un conservateur. C'est un directeur. Hein, directeur. Mais en termes techniques, nous l'appelons conservateur. Monsieur, conservateur. Monsieur, ok, merci beaucoup. Monsieur, ici, la question. Allez-y. Monsieur.